Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oh. Hey, Vogel ! Bon, suite aux nombreuses disparitions étranges, totalement inexpliquées, on a tout de même réussi à dresser un portrait robot. Le voici. Bien, afin d'assurer la sécurité du potager, nous avons décidé de faire appel à deux spécialistes. Je vous prie d'accueillir chaleureusement Splash et X. Qui veut une terrine de lapin? Eh, on se croirait à la brocante locale où tu fais des petits échanges de graines. Tu sais, pour sauver le monde, sauver la planète, et ben ouais, tu fabriques tes petites plantations, tu récupères les petites semences, et tu distribues les semences, comme ça tu échanges tes semences. Oh, c'est de toute beauté. Oh là là, tiens, ça me rappelle le don du sperme que j'ai fait la semaine dernière. C'est formidable. Eh bien bonjour et bienvenue à toi, cher ami d'internet de YouTube, de Splash Egg, cher ami de carottes biologiques. Eh bien oui, exactement, c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. On va découvrir, les amis, un jeu auquel j'ai déjà joué. Du coup, la découverte, eh ben c'est mort. On va jouer à Atomicrops, un petit jeu. Vous voyez, il est en Early Access, il est en développement, dispo sur Pastim, dispo sur le launcher Epic Game Store, le launcher de la mort. Est-ce que je ferais pas du coup le début? Le tutoriel? Non, on s'en fout du tutoriel. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu, les amis? Eh bien le jeu, c'est un jeu, voilà, avec un style graphique, avec également une ambiance particulière. Voilà, je pense que t'en sais suffisamment. Alors non, grosso modo, l'idée, on est quoi? Eh bien, nous sommes un genre de cultivateur, de maraîcher du futur, puisque, eh bien, il y a eu un genre de catastrophe nucléaire sur notre environnement, et du coup, on va devoir planter des petites graines. Seulement, il y a eu des petites modifications génétiques sur les espèces environnantes, et ces espèces, eh bien, elles vont tout simplement vouloir, d'après ce que j'ai pu comprendre, hein, eh bien, tout simplement, bouffer notre potager. Alors, je crois que c'est ça, hein. Regardez-moi ça. Nous avons déjà des taupes bioniques bleues de l'espace. Et oui, car tout le monde le sait, les taupes bioniques de l'espace bleu, ce sont quand même des taupes extraordinairement dangereuses, hein. Alors, regardez, maintenant, il faut que j'arrose mes petits plants. Voilà, il faut que je les arrose. Sinon, ils sont tristes, ils sont pas contents. Regardez-moi ça. Je l'arrose. Il y a de l'eau. Voilà, vas-y, prends de l'eau. Arrose tes petites graines. Vas-y, j'ai bientôt plus d'eau. Hop, je vais aller rechercher de l'eau ici. Voilà, hop, et regardez-moi ça. Je me fais de nouveau attaquer par une taupe bleue. La taupe Inambour. Bien sûr, c'est une taupe. C'est la taupe Inambour. Alors, je joue à la manette. Parce que ça a l'air de bien fonctionner à la manette, donc je vois pas pourquoi je m'embêterais. Alors, regardez-moi ça, j'ai une petite patate avec des yeux qui a poussé. J'appuie sur B, hop, et voilà, je récupère ma patate dans ma besace. Ça, je ramasse des trucs, mais je sais absolument pas à quoi ça sert. Et grosso modo, là, il fait jour et la nuit va arriver et il va falloir que je protège mon potager des mauvaises herbes et aussi eh ben, des bestioles qui vont venir tenter de détruire mon potager la nuit. Voilà, c'est tellement beau. Alors, je sais pas trop exactement ce qu'il faut faire dans le jeu, clairement, hein. J'avoue que je suis clairement en mode découverte. J'y ai joué un tout petit peu, j'ai fait le tuto, mais j'ai pas tout compris. Et voilà. Donc là, voyez, j'ai réussi à cultiver tout ce que j'avais à cultiver. Alors maintenant, je sais plus trop ce qu'il faut faire, hein, clairement. Je sais pas. Je sais juste qu'ici, il y a du soleil. Alors, je peux aller par là. Quand je vais par là, il y a vraiment un tas de bestioles. Regardez-moi ça, il y a un yak en furie avec des grenades. Et là, j'ai quelque chose qui me dit d'aller protéger mon potager, puisque la nuit va tomber. Alors, pourquoi? Je sais pas. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici? Est-ce que j'ai plus de graines? Ah si, j'ai deux graines, là! Ah, est-ce que je peux aller replanter des graines? Je ne sais pas. Je suis en totale incompréhension totale. Voyez, là, j'ai des mauvaises herbes qui arrivent. Alors, est-ce que je peux replanter des graines? Ah oui, je peux replanter des trucs, là, maintenant! Voilà, regardez-moi ça, le lapin de l'espace, là, qu'est-ce qu'il me veut, lui? Ah, d'accord, donc j'ai été chercher des nouvelles graines. Et ben voilà, ça, je viens de le découvrir, les amis. Eh bien oui, c'est extraordinaire, c'est formidable, on apprend des trucs avec Splash X, le jardinier, et voilà, regardez-moi ça, on a des limaces. Regardez-moi ça, ces limaces.
qu'est-ce que tu veux, la limace, là? Tiens, la limace, ce qu'elle veut, c'est bouffer mes plants. Donc, les limaces, évidemment, c'est le mal. C'est le mal, interdiction formelle que la limace s'approche. Et ça, on a Jeannot le lapin. Lui, ce qu'il veut, c'est bouffer mes carottes. Tu n'auras jamais ma carotte, Jeannot le lapin. Oh, ah, merde, je me suis fait toucher. Mais par contre, les limaces, jamais une limace ne s'est approchée de mon potager, donc je ne sais absolument pas ce qu'elles font, mais je pense qu'elles doivent essayer de bouffer mes semences. Allez, il fait nuit, c'est comme dans Minecraft, la nuit, tout est permis, la nuit c'est le bordel, la nuit c'est discothèque on the beach. Attention, regardez-moi ça, nous avons des bourdons, oui vous ne rêvez pas, des bourdons, regardez-moi ça, le lapin il dort, je vais le réveiller tel le condor, le phénix de ses prés. Nous avons aussi un buffle de Tasmanie, il est de toute beauté. Comme ça, je défonce du lapin, c'est comme ça, je suis un véritable monstre. Oh là là, mais attendez, wow. Est-ce que je récupère de la graine? Pour l'instant, je n'ai récupéré aucune graine, car je n'ai absolument... Ah si, j'ai... Oh putain, j'ai plein de graines. Wow, la pêcher. Ok, le soleil est revenu parmi nous. Regardez-moi ça. Alors, une fois que la nuit est passée, un hélicoptère vient me chercher. Mais je veux pas. Je ne peux pas retourner... Elle est plantée. Je ne peux pas retourner plantée, c'est comme ça, c'est une véritable catastrophe. Regardez-moi ça, j'ai ramassé 4 patates et 2 épis de maïs, 2 cornes comme ils disent. Parce que oui, sache que le pop-corn, en fait, c'est du maïs sauté. Pop, pouf. Et ouais, je sais, t'en apprends des choses sur la chaîne éducative SplashX. D'ailleurs, j'ai refusé un contrat chez RT, hein. Bah ouais, faut pas déconner. Alors, avec l'argent que je gagne, les légumes que je gagne, je peux aller espérer acheter un nouveau flingue. Vous voyez, le shotgun coûte 30 patates, voilà, gna. Je peux aussi acheter une nouvelle pickaxe. Ça, je sais pas ce que... Vous voyez les tas de trucs. Ça, c'est de la dynamite. Ah non, c'est pour réparer le matériel. Autant pour moi. Lui, il sert à rien. Ça, c'est l'hélicoptère qui va me permettre de repartir en mission. Et ici... Lui, court plus vite. Voilà. Elle fait quoi? All Gunfire, Butcher. Je sais pas ce que c'est. De toute façon, j'ai pas assez de roses. Vous voyez, il me faut plusieurs roses. Tu fais quoi, le lapin? Voilà, donc on est dans un petit hub comme ça. Ah, ça, c'est la santé. Pas assez de roses. Bah si, pourtant, j'ai une rose, là. Attends. Ah, c'est peut-être des graines de roses que j'ai. J'ai pas assez de roses. D'accord, ok. Je crois, hein. Bon, on va retourner en mission, parce que je pense que c'est ce que nous avons de mieux à faire, bien sûr. Allez, c'est parti. Alors... On coupe les mauvaises herbes. Allez, tu coupes. Voilà, allez, on arrache tout. Hop. Voilà, et on plante les petites graines qui, évidemment... Elle a besoin de beaucoup de place. Et où tu vas, toi? Où t'en es, toi, la taupe, là? Eh, René? Voilà, est-ce que je peux maintenant essayer de... J'ai encore des trucs à planter? Non, je n'ai plus rien à planter. Par contre, tout le monde veut de l'eau. Il faut de l'eau. On va récupérer de l'eau. Ah oui, c'est un arbre, ce truc. Il est énorme. Vas-y, approche-toi, la taupe. Viens, approche-toi, si tu veux te battre. Voilà. Alors, on arrose tout ce petit monde. Hein, voilà. Voilà. Alors, je joue à la manette. Je sais pas si c'est une très bonne idée. Mais ça a l'air d'être pas mal foutu pour la manette. Ok, regardez-moi ça, cette salade. Regardez-moi ça comme elle est contente, cette petite salade. Elle est tellement heureuse. Mais oui. Oh non, mais non, mais c'est parce que je pensais... Ah, c'est une catastrophe. Viens, la petite salade, je te récupère. Voilà. Est-ce que j'ai encore des graines? Oui, allez, vas-y. Vas-y, je vais planter autre chose. Et voilà. Oh, cette rose, elle est de toute beauté. Ah, c'est ça, la rose. Elle n'est pas mûre encore, merde. Ok, on va aller défoncer de la taupe aussi, quand même, parce qu'il y a un moment... Il me faut de l'eau. Il me faut de l'eau! De l'eau! Ah ouais, allez, vas-y! C'est bon, on a la rose. Très bien. Regardez-moi ça comme on gère, mais on est vraiment des cultivateurs de l'espace. Mais ma petite salade a besoin d'eau, évidemment. C'est l'été 2019, l'été de la canicule. Hop là! Alors, en termes du bestiaire des ennemis, pour l'instant, vous voyez, donc on a les taupes qui sont embêtantes, on a les lapins qui viennent un peu plus tard, on a les espèces de limaces. Les limaces sont vraiment galères, parce que là, je pense qu'elles doivent venir foutre le bordel.
Je pense qu'elle va venir carrément bouffer votre pied, j'en suis même sûr. Ok, défendez vos plantations. Évidemment qu'on va descendre les plantations. Il faut de l'eau, toi. Vas-y, prends de l'eau, attends, je vais en chercher. Hop là. Allez, pousse. Maintenant, faut pousser. Allez, poussez, madame, poussez. Poussez de toute beauté, oui. J'ai plus de graines, j'ai plus de graines. Mais je reste ici, là. Ce soir, cette nuit, je reste ici parce que mon arbre, là, j'aimerais bien l'avoir. Prenez-moi ça. Ils en veulent tous à mes carottes de l'espace. Il lui faut de l'eau, mais... Tiens, ce qu'il leur faut comme place. Regardez la limace, là. Elle vient comme ça. Non, 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 non. Je vais aller manger ça. Je sais pas à quoi ça sert, mais il faut manger. Vas-y, sors de ton trou, sors de ton trou, sors de ton trou, toi, je t'attends, là. Merde, y'en a qui tirent des trucs, maintenant. Qui c'est qui me tire des trucs? Y'en avait pas avant. Allez, je ramasse ma salade. Dégage, le lapin. Ah non, 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 mon arbre! Non, il va pas tuer mon arbre, quand même. Qui c'est qui tire des... Ah, c'est lui qui tire... Attention, faut que je tue la limace de la moelleté. Non, non! Meurs! Dégage, lapin! Pourquoi mon arbre, il fait rien, là? Viens là, saloperie de lapin de la... Merde, 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 merde! Ah, dégage, lapin! Non! Je me suis fait toucher! Mayday! Mayday! Ok, on est bien, on est bien, on est bien. On se débrouille quand même pas trop trop mal, même si je suis à moitié en train de crever. Allez, vas-y. Ok, j'ai ma boîte mail qui vient de me dire que j'avais du courrier. Mais rien à foutre. Rien à foutre, t'entends? Je protégerai mon arbre qui sert à je sais pas... Oh si, il donne des fruits! Allez! Oh, ok, il a donné des cœurs, je crois. Je crois que j'ai ramassé des trucs et j'ai une rose. Ok, allez, vas-y, viens, on y va. Pourquoi j'ai fait ça? Attends, j'ai appuyé sur un bouton, je sais pas ce que ça a fait. C'est une véritable catastrophe. Nous avons récupéré donc des salades et peach. Eh ben oui, peach. Alors qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a... J'ai 60 trucs, je vais pouvoir m'acheter un flingue. Un couteau de boucher, pourquoi faire? Et un blender brush, c'est quoi ça? Boum! Ça dure qu'une journée. Une journée. Oh ouais, y a pas des trucs un peu plus... Ouais. Ouais, c'est quoi ça? Oh, on s'en fout, hein. Préparer le matériel. Ce qu'il me faudrait, c'est de la vie, là, parce que j'ai plus qu'un seul cœur. C'est toi qui donne de la vie, madame? Ouais, alors tiens, déjà, je t'ai fait une rose. Et je récupère un cœur. Toi, tu me donnes quoi, déjà? Ouais, on s'en fout. Et toi, tu... Je sais pas ce que de toute façon, c'est... Ici, c'est des cœurs. Les cœurs, j'en ai pas. Est-ce que je tenterai pas d'acheter un truc? On va acheter un truc, j'en ai 60. Est-ce que je prends le boucher, là, le truc de boucher? Alors, soit je prends le machin... Ouais, on prend ça. Je peux pas l'upgrader. Allez, on y va. Allons-y. Nicolas le jardinier, scène 2. Ah, l'arbre est toujours là! J'ai pas de graines. Faut que j'aille acheter des graines. Oh là là, faut que j'aille chercher des graines, en fait. Eh ouais, parce que là, j'ai pas de graines. Oh! Ah d'accord, attends. Mais il tire tout doucement, le machin! Ah ouais, si, si, attends, j'ai l'impression... Ouais, d'accord, ok, très bien, très bien. Il est d'une efficacité terrible, ce flingue. Ouais, si, ça va, c'est... Attends, il se passe un truc. Oh, papa. Ouais, par contre, je tire à la vitesse d'un gros... à la vitesse d'une limace au triple galop. Ça, j'ai l'impression que c'est des graines, ça. Non? C'est quoi, ça? Ah, ben voilà. Et voilà ce qui devait arriver, arriva. Splashex, le jardinier, est décédé. Ils m'ont planté. C'est nul. Alors, voyons voir. Donc, je reviens ici, une fois que je suis décédé, je reviens ici. Donc là, c'est le tutoriel. Ça, c'est pour changer de personnage. J'en ai qu'un. Finalement, mon petit flingue ici était quand même bien plus sympathique pour le moment, hein. Et j'ai l'impression aussi que, en fait, à chaque fois, le jeu redémarre. Ouais, le jeu redémarre. Donc, en fait, à chaque fois, c'est une nouvelle partie. Il n'y a pas de système de sauvegarde. Non, on est toujours au début du commencement. Vas-y, on va commencer à planter. De toute façon, j'ai suffisamment de place.
Voilà. Nous allons maintenant prendre un petit peu d'eau. Voilà. Parce que ces petites plantations, bien sûr, vont demander de l'eau, de l'amour. C'est normal, je suis leur petit papa. Sors de là, la taupe. Je me suis fait toucher. Moi, Splashex. Splashex, le jardinier, je me suis fait toucher quand même. Hop, on récupère un petit peu d'eau. Parce qu'elles ont soif, hein? Je pense bien sûr que vous avez tout à fait compris le principe du jeu. C'est un jeu de jardinage de la muerte. Alors honnêtement, sur le papier, comment tu peux en arriver là? Comment tu peux dire, les mecs, j'ai une idée. On va tout simplement faire un jeu en pixel art ou je sais pas comment on appelle ça. Voilà. Et en fait, le but du jeu, on sera un cultivateur de l'espace après une guerre nucléaire. Bah oui, parce que c'est ce qui s'est passé. Hein. Il y a eu une bombe atomique, il y a eu une guerre ou quelque chose. Et du coup, tous nos légumes sont complètement radioactifs. Pourquoi j'ai plus d'eau là? Merci. Et du coup, c'est un petit peu l'histoire. Et le mec autour de la table, il dit, mais attends, tu sais quoi, on va rajouter aussi des lapins radioactifs et des taupes de la... Et des taupes bleues. Bah oui, parce que les taupes bleues, c'est bien connu. C'est les taupes qui ont été élevées au glyphosate. Sors de là, toi. Sors de ton trou, toi. Tiens, bam. Voilà. Donc, je ne sais pas quel était le délire. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Le jour où les mecs ont tout simplement écrit le synopsis du jeu, je ne comprends pas. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Allez, vas-y, pousse, ma petite, parce que... Voilà, très bien. Ah, j'ai encore une patate. Du coup, hop. Allez, pousse, ma petite. Allez. Alors, les autres boutons servent à je sais pas quoi. À rien. Hey. Protège ton potager. Y'a plus besoin d'eau là ou t'as encore besoin d'eau? Je peux partir? Est-ce que je peux te laisser? Parce qu'il n'y a pas de taupe là pour le moment. Hein. Enfin, y a pas de... si, y'a des taupes, mais y'a pas de limaces. Ah, si, t'as besoin d'eau. Alors, je reste à côté de toi, je te protège. Allez. Alors, après, y'a des mauvaises herbes. Alors, ça, je sais pas si c'est des mauvaises herbes. Je ne sais pas. Allez, moi ça, ce lapin, comme il pleure. Ah, mais si, il y a des taupes, des limaces, là. Il n'y en avait pas tout à l'heure. Hop là. T'as plus rien à bouffer, ma grosse. Et comme je suis un perfectionniste, je laboure quand même ma terre. Ma terre en jachère, eh bien, je la laboure. Du coup, c'est plus de la jachère. Eh oui, regardez-moi ça. Comme quoi, il n'est pas vraiment indispensable d'avoir des jeux triple A avec 14,50,294,879,8 cents et dollars, tu vois, pour fabriquer un bon jeu. Celui-ci est quand même assez très sympa. Il est toujours en développement. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas de continu ou de sauvegarde. Quelque chose qui pourrait faire qu'on recommence pas systématiquement au début. Après, j'y comprends peut-être rien. Oh, un petit criquet! Un petit criquet, le criquet, toi aussi tu en veux à mes salades. Allez, chante-nous une petite chanson. On va essayer d'aller par là, voir un peu ce qu'il y a. Il y a peut-être d'autres trucs. Oh, regardez, je vais ici, un lapin. Est-ce que ça, ce serait pas les... Parce que je vois une caisse. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque... Ah, dans la caisse, je récupère des trucs, ok. Si on pète... Là, il me faut sûrement quelque chose. Je pense que si on tue l'arbre... Il y a peut-être moyen d'avoir le truc qui est dans la caisse. J'ai pas le temps de faire des tests. Mais je veux pas que tu viennes me sauver. Je veux pas. Oh si, il faut que tu viennes me sauver quand même. On a récupéré 6 patates. Et avec 6 patates, moi je te fais un menu best of Big Mac frites coca. T'as rien compris. Eh bien les amis, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cette présentation de... Hein, d'Atomicrops, je crois. Atomicrops, ouais. On s'arrête là. Si t'as envie de faire des petites cultures, des petits machins, tu peux y aller. Hein. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est quand même un jeu bien sympathique et pas cher du tout. Le seul petit défaut, si j'ai envie de dire, c'est qu'il est sur l'Epic Game Store. C'est comme ça que, si vous voulez, je consomme chez eux. Mais j'aime pas. C'est comme ça. Allez, comme d'habitude, abonne-toi, lâche un pouce, comme ça, et puis tu fais ce que tu veux, ça m'empêche pas de jouer. Sinon, si tu le fais pas, tu finiras comme lui, là, tu vois, les doigts de pied en éventail, en train de puer, des moustiques qui tournent autour, tellement tu schlingues. Eh ben ouais, c'est la dure vie. Allez, prends soin de toi, je te dis à bientôt pour la suite de nos aventures, et puis à bientôt. Allez, tournicotis, tournicota, ciao tout le monde.